Avec vous ce soir, j'aimerais vous apporter ce que Dieu m'a donné pour vous. Le message de ce soir est très simple, c'est Dieu dit. Et Dieu veut parler à ton problème. Je le redis encore une fois, pour que ça rentre dans notre esprit et que ça découle dans notre cœur et que ce reste dans notre cœur, Dieu a dit. Et c'est le titre de mon message. Je vous dis bonsoir à tous et à tout le monde. Je vous souhaite une bonne écoute et je voudrais qu'ensemble on fait un morceau de chemin. Ce soir, il y a ta guérison. Ce soir, on veut parler à ton problème. J'aimerais vous lire un texte qui va nous servir de tremplin ce soir. On va lire Matthieu chapitre 8 au verset 8. Soyez attentifs à ce message de ce soir. Il va changer ta vie. J'aimerais que tu t'assoies dans ton fauteuil. J'aimerais que tu t'assoies dans ta chaise. Ou même si tu es dans ton lit. Écoute ce que Dieu a à te dire ce soir. J'aimerais t'amener à écouter ce soir. Matthieu 8, verset 8. Alors que Jésus entre dans Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, il a atteint de paralysie,
Il souffre beaucoup. Il est beaucoup tourmenté. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. L'officier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement un mot. Et j'aimerais m'arrêter une seconde. Regardez et écoutez attentivement ce que dit l'officier. Dis un mot. Ça dépend des versions. Parle. Et écoutez encore. Il ne dit pas, ne dit pas deux mots, trois mots, mais dis un mot, parle. Mon serviteur sera guéri. Moi, je suis un homme soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mon ordre. Je dis à l'un, pars, il part. À l'autre, viens, il vient. À mon esclave, fais ceci, il fait. Jésus dit, je n'ai jamais vu une foi si grande en Israël. Et j'aimerais revenir après, vous expliquer de la façon que Dieu m'a parlé. C'était au mois de mars. Et au mois de mars, j'étais dans mon travail. Et je me sentais très fatigué. Je rentre chez moi, j'avais très froid. Et je me mets dans mon lit. Et je commence à être couché, comme cet homme-là. Je commence à avoir une paralysie. C'est la deuxième étape. Et la troisième étape, comme dans la Bible. Et je commence à être tourmenté. J'appelle à ma femme, je appelle au secours. Je dis, ma femme, rien ne va. Je n'arrive plus à me lever. Je suis paralysé. Et je suis beaucoup tourmenté, je ne sais pas ce qu'il y a. Les docteurs commencent à venir. Ils me prononcent une parole qu'on ne savait pas. Que je ne connaissais pas cette maladie. C'était le tout début de mars. Monsieur, vous avez le Covid-19. Et ça faisait une semaine que j'étais malade. Et au bout d'une semaine, mon père m'appelle et dit, fils, je suis très fatigué. Ta mère était très fatiguée. Il faudrait que tu viennes prier pour nous. Mais moi, j'étais couché, paralysé et beaucoup tourmenté. Je prends le courage. Je me lève. Et je dis, je vais prier pour vous. Et je me suis levé, je suis allé dans leur maison, et j'ai prié. Et je retourne chez moi. Il y a au bout d'un moment, 3 jours après, on me téléphone. Et on me dit, Blanco, on ne sait pas comment te le dire. On ne sait pas quel mot il faut prononcer. Je dis, qu'est-ce qu'il y a ? Elle dit, tes parents, ils avaient le Covid-19. Je dis, oui. Et ils sont morts. Là, il me vient un tourment le double. Plus pouvoir me lever. Et je t'ai couché comme cet homme-là. Et là, il me vient l'histoire que je suis en train de vous expliquer. Et Dieu me dit fortement dans mon cœur, c'est une puissance de Dieu. Le Saint-Esprit me disait, lève-toi et parle à ton problème. Je ne pouvais pas me lever, mais un moment, par la foi, je me suis levé. Et je me disais, j'ai besoin de parler avec toi. Et ma femme croyait que j'allais dire des choses à Dieu à rapport que mes parents étaient morts la même journée. Ma femme croyait que j'allais dire des paroles à Dieu, des reproches à Dieu. Je lui dis, je vais parler avec toi, parler avec toi. Et ma femme ne dit rien à Dieu, non. Je me lève, je dis, Seigneur. Et le Saint-Esprit m'arrête. Parle à ton problème, encore une fois. Et là, je dis, j'étais debout dans ma caravane.
je parle à mon problème. Je n'ai pas prié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ressenti Dieu. Pardonnez-moi, même que sachant que je n'ai pas parlé en langue. J'ai juste parlé au problème. Et j'ai maladie. Covid-19. Tu vas partir de suite. Dans le nom de Jésus, j'ai juste parlé. Dis deux paroles. Ces deux paroles-là ont touché le cœur de Dieu. Et Dieu m'a guéri. D'un coup, j'ai senti la fièvre me quitter. D'un coup, mes douleurs des jambes qui me paralysaient, qui me donnaient envie de me coucher, de plus me lever, les douleurs des jambes ont parti. J'étais beaucoup tourmenté et tout est parti. Et je dis à ma femme, Dieu m'a guéri. C'est terminé. Mais il y avait un deuxième problème. C'est que dans mon cœur était détruit. J'ai beaucoup prêché la guérison pour les autres. Beaucoup prêché la consolation pour les autres, mais jamais pour moi. La Bible dit que Dieu va suivre toutes les larmes des yeux qui coulent. Et pour connaître ses mains qui suivent les larmes des yeux, eh bien, il faut pleurer. Il faut reconnaître. Et moi, je me mets à pleurer. Et je commence à connaître ses mains qui commencent à suivre mes larmes qui tombaient. Et là, une consolation du Saint-Esprit vient. Et j'ai connu cette consolation. Le message de ce soir, c'est qu'on veut parler à ton problème. Il y a l'officier. L'officier, il a un homme qui est malade, couché, paralysé, beaucoup tourmenté. Il va vers Jésus. Et toi, il faut que tu ailles vers Jésus. Ne cherche pas, pardonnez-moi de vous dire ça, ne cherche pas des médiums. Ne cherche pas des hommes qui annoncent l'avenir, mais va vers Jésus. Jésus a quelque chose pour toi. Il a un mot, une parole pour toi. Il va vers Jésus, vers la bonne personne. Va pas vers une religion, va pas vers un mouvement. Et il va directement à la personne qui est Jésus. Il arrête Jésus. Jésus, mon homme à moi, mon soldat à moi est malade. Jésus, de bonne foi, il dit, j'irai chez toi. Il dit, non, ne viens pas chez moi. Je ne suis pas digne. Mais dis un mot, une parole. Il a compris qu'il n'a pas besoin de prier, Jésus. Mais il a compris juste qu'une parole. À la preuve que ce Romain a compris. Ce Romain avait plusieurs dieux. Plusieurs dieux. Mais il sait que Jésus, il a besoin de dire juste qu'un mot. À la preuve qu'il a compris. Il dit, moi j'ai des hommes sous mon ordre à moi. Parce que je suis gradé. Je suis quelqu'un d'important. Je suis un homme connu. Je suis un soldat. Quand je dis à un homme, va, il va. Il a compris une parole. Si un Romain loin de Dieu, a compris qu'il faut qu'il dise qu'une parole, toi aujourd'hui tu peux comprendre aussi. Et tu peux dire aussi, Jésus, dis un mot. Écoutez-moi bien, ce Dieu que je vous annonce n'a pas besoin de prier. Ce Dieu que je vous annonce, il parle. Au commencement, Dieu ne commence pas à prier, mais Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière arrive. Dieu dit que le ciel apparaît. Il apparaît. Dieu dit encore, il parle, il n'a pas besoin de prier, il n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit, il n'a pas besoin d'employer beaucoup de paroles, mais il dit juste un mot, que la terre soit, et la terre arrive. Et il dit encore que les étoiles arrivent, que la lune arrive, le soleil arrive aussi. Dieu dit,
créant l'homme à notre image. Et l'homme apparaît. Laissez-moi vous dire, il ne dit pas au poisson, viens, il parle à la mer. Mer, fais des poissons. Et le poisson arrive. S'il n'y a pas de mer, le poisson meurt. Il n'y a plus rien pour le poisson. Il parle à la terre. Il ne parle pas à l'arbre. Il ne dit pas l'arbre, viens. Non, il parle à la terre. Terre, fais des arbres. Et l'arbre arrive. S'il n'y a pas de terre, il n'y a pas d'arbre. C'est la mort. L'arbre ne peut pas vivre. Laissez-moi te dire, s'il n'y a pas Dieu dans ta vie, tu ne tiens pas. Tu ne peux pas vivre. Allons un peu plus loin, si vous voulez bien. J'aimerais vous amener dans un endroit extraordinaire. J'aimerais que vous dites, là à votre place où vous êtes, oui, amen. Je ne vous entends pas ce soir. Je voudrais que vous dites ensemble, amen, gloire à Dieu. Et là, un moment, c'est Élie. Dans l'Ancien Testament, pas dans le Nouveau. J'aimerais commencer par l'Ancien Testament. C'est Élie, c'est un prophète. Et ce prophète-là, il est face à des hommes, à des faux prophètes. Eh oui, il y a des vrais prophètes et des faux prophètes. Élie, il est tout seul contre 850 faux prophètes. Il y a un dicton dans le monde, c'est la majorité qui l'emporte. Élie, il est tout seul. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si tu as Dieu dans ta vie, la majorité, toujours, tu l'emporteras parce qu'il y a Dieu avec toi. Mais il faut que tu mettes Dieu en premier. Et là, Élie, il est à haut d'une montagne. Il s'adresse à ses faux prophètes. Il dit à un moment, écoutez, on fait une holocauste. Celui qui fait du sang, du feu, du ciel, c'est lui qui aura le vrai Dieu. Et là, laissez-moi vous dire, c'est pas logique ce qu'il y demande. Il n'a pas consulté Dieu. Il n'a pas demandé à Dieu. Il aurait pu dire, Dieu, Seigneur, je suis ton prophète, est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'ai le droit? Je vais jeûner, je vais intercéder. Est-ce que je peux le faire? Il n'y a aucune réponse de Dieu, mais parce qu'il ne lui demande même pas. Le prophète, il sait ce qu'il est et ce qu'il a. Ce n'est pas logique, du feu qui descend du ciel, ce n'est pas logique. Dieu, c'est un Dieu extraordinaire que nous avons. Et là, il dit à ces hommes-là, commencez à vous. Allez, demandez à Dieu qu'il fasse descendre du feu du ciel. Alors ces hommes-là, les faux prophètes, ils font une chose extraordinaire, comme tout le monde fait. On croit qu'il faut faire pour que Dieu fasse. C'est archiment faux. Ces hommes-là commencent à invoquer. Rien ne se passe. Il y a plein de bruit. Ah, il y a plein de prophètes. C'est la majorité qui l'emporte. Regardez. Ils commencent à se tailler. Dans la poitrine, ils font des choses. Et à un moment, ce ne marche pas. Il n'y a rien qui marche. Et Élie commence à parler. Et il dit, peut-être que votre Dieu, faux prophète, votre Dieu est en vacances. Il dit à moi. Et là, je ne vois pas Élie en train de prier. Je ne vois pas Élie en train de jeûner. Je vois un Élie, je vois un prophète qui commence juste à parler. Je vois ce prophète qui commence à dire, c'est tout. Qu'on reconnaisse que tu es Dieu en Israël. C'est tout. Le feu descend. C'est pas de l'eau. C'est ce feu qui descend. Il a parlé. Alors, là où tu te trouves, dans ton lit, dans ton fauteuil, dans ta caravane, dans ta maison, ou peut-être même dehors, sur un banc, toi jeune, tu crois que Dieu peut m'écouter? Oui. Aujourd'hui, c'est le moment de Dieu. C'est la volonté de Dieu, c'est le moment de Dieu. Tu peux parler à ton problème. Est-ce que j'ai le droit? Tu as le droit.
Il ne faut pas multiplier des paroles comme la Bible dit. Non, juste une parole qui vient du cœur. Ce soir, c'est le moment de Dieu. Écoutez-moi bien. C'est Jésus. J'ai parlé de l'Ancien Testament, maintenant de Jésus. Et dans l'Ancien Testament, il y en a plein comme ça. Ça dégorge plein des hommes qui ont parlé. Jésus arrive. Il monte dans une barque. Et dans cette barque, il y a ses disciples. Et commence à voir le vent bouger. Le vent commence à s'abattre. Il commence à souffler tellement fort que les disciples ont peur. La mer est en train de bouger. Les disciples ont peur. Peut-être que de là où tu es, à ta place où tu es, tu as peur. Parce qu'il y a du vent dans ta vie. Il n'y a que des problèmes qui s'abattent. Problèmes de maladie. C'est le vent qui souffle dans ta vie. Le vent de maladie qui souffle. Le vent qui souffle, c'est la maladie du divorce. C'est fini peut-être pour toi. Et tu dis, je suis fichu. Il y a le vent de l'angoisse, de la dépression, de la solitude, du manque de sommeil, même de ton travail. C'est le vent qui s'abat sur toi. Jésus se lève. Il regarde autour de lui. Jésus dit au vent. Vent. Silence. Laissez-moi vous dire que ce Jésus, il est extraordinaire. Il n'a pas besoin de prier. Juste, il parle. Il dit, se lève, vent, vent, silence. Le mot silence, en grec, c'est sigao. Et le mot sigao nous donne en français, cesse de parler. C'est Jésus qui dit au vent, parce que le vent parle. C'est le vent des problèmes qu'il y a dans ta vie. Et peut-être qu'il y a des gens, je le crois, des personnes qui parlent sur ta vie, qui disent des choses faussement sur ta vie, qu'ils touchent à ton témoignage. Jésus est capable de dire, si toi, tu as compris le message ce soir, silence problème. Jésus est en train de dire au problème, ne parle plus, c'est moi qui parle. Ne parle plus, problème. Toi qui m'écoutes, parle à ton problème. Jésus, il est là. Avec ses disciples, c'est la deuxième étape. Il est en face un tombeau. Une personne qui est morte il y a plusieurs jours. Et là, face à ce problème, c'est un problème très délicat. C'est une personne qui est morte, Lazare. Et si vous écoutez les paroles de Jésus, c'est extraordinaire. Et moi, je disais dans mon cœur, si c'est moi qui m'arrive ça, il faut jeûner, il faut prier. Jésus n'a pas besoin de prier, il n'a pas besoin de jeûner. Parce que Jésus, souvent, avait une montagne. Il priait toute la nuit. C'est Luc 6 au verset 12. Il priait toute la nuit. Il y a un verset, Marc 1, au verset 35. Juste au matin. Et quand il arrive les après-midi, quand il descend de la montagne, quand il descend des auteurs spirituels, parce qu'il faut toujours une auteur spirituelle, serviteur, chrétien, église. Aujourd'hui, voilà pourquoi il y a tant d'échecs dans nos églises. Parce qu'il n'y a pas d'auteur spirituel. Jésus avait toujours un résultat positif. Pourquoi ? Parce qu'il avait une hauteur spirituelle. Il priait toute la nuit juste au matin. Mais il manque une après-midi. Il manque une après-midi. Les après-midi, il descend sur la plaine. Et quand il descend sur la plaine, il n'a pas besoin de prier parce qu'il l'a fait. L'après-midi, il descend, il va sur ce tombeau-là. Et il dit, Lazare, Seigneur, tu te trompes. Il faut prier, il faut jeûner.
je n'ai pas besoin. Lazare, lève-toi. Mon Père m'exauce toujours parce que je fais toujours sa volonté. Sa volonté, c'est une hauteur spirituelle. Voilà la volonté de Dieu. C'est qu'une église soit à haut d'une montagne spirituelle, face à face avec Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas jeûner et prier. Il faut l'avoir à haut dans la montagne. Mais quand tu descends les après-midi dans la plaine, tu n'as plus besoin de jeûner. Tu n'as plus besoin. Pardonnez-moi même que ça choque de ressentir Dieu. C'est juste l'autorité que tu as reçue. Celui qui habite en toi, ce n'est pas n'importe qui. C'est le Créateur. C'est lui qui est en nous. Cet homme, Lazare, ressuscite. Tout le monde reste choqué. Je veux parler à ton problème, tu vas parler à ton problème. Peut-être tu es mort spirituel, tu as envie de tout laisser tomber. Moi, je te dis ce soir, dans le nom de Jésus, lève-toi et prends courage. Ce n'est pas fini. Ce que Jésus a fait il y a 2000 ans en arrière, il est capable de le faire aujourd'hui. Je vais vous donner une preuve. Bonjour, voilà, je m'appelle Mina, j'ai 26 ans, je vais vous raconter une expérience pour moi et ma fille avec le Seigneur. Voilà, je vous explique comment était ma fille. Ma fille, déjà, quand elle était petite, elle n'était pas très très bien, on voyait qu'elle avait un problème. On est allé voir les docteurs et les docteurs m'ont diagnostiqué ma fille autiste. Donc ça fait qu'elle ne marchait pas vraiment toute seule, elle n'était pas propre, elle ne mangeait pas toute seule... Elle se faisait du mal toute seule, elle faisait du mal aux autres. Et un jour, il y a des pasteurs qui m'ont téléphoné et m'ont dit qu'ils voulaient prier pour ma fille. Et j'ai dit oui, j'y suis allée. Et quand j'y suis allée, je m'attendais qu'ils prient et ils n'ont pas prié. Ils ont parlé directement au problème de moi et de ma fille. Ils sont venus vers moi, ils ont prié, ils n'ont pas prié, ils ont dit que mon problème s'en aille. Et puis ils se sont tournés vers ma fille et ils ont dit directement que ton problème s'en aille et que tu sois guéri. Que cette maladie s'en aille de ton corps et que tu sois guéri. Et ils m'ont dit, si tu y crois, si tu crois que le Seigneur peut faire ça pour toi, eh bien ta fille elle sera guérie. Et j'ai dit oui. Que j'y croyais. Et après, on a refait des examens et on a vu qu'en mettant que ma fille n'était plus malade, qu'elle n'avait plus rien. Je suis rentrée chez les docteurs et ils m'ont dit, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, madame. Mais répondez-le autour de vous parce que vous avez pris la bonne décision. Et ils m'ont dit, vous pouvez partir. Je suis restée 5 minutes dans le bureau. Ils m'ont dit, vous pouvez partir. Votre fille, elle est guérie. Il n'y a plus besoin qu'on vous vienne et qu'on se voie. Et le Seigneur me l'a guéri. Et maintenant, ma fille, c'est une petite fille normale. Aujourd'hui, elle a 4 ans et demi. Elle marche, elle court même. Elle parle, elle mange toute seule. Et elle est même un peu plus avancée que les autres enfants. Car le Seigneur, il ne fait rien. Rien... Il fait toujours plus. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Gloire à Dieu pour ce beau témoignage qu'une jeune femme a compris que Jésus fallait qu'il parle. Personne des disciples avait compris ces leçons-là. Et Jésus va nous donner une leçon aux disciples, à moi et à toi, avec ce verset qui suit. Ce verset qui suit, c'est Jésus qui arrive avec ses disciples. Il est en train de voir un arbre devant lui. Cet arbre, c'était un figuier. Et il y avait plein de feuilles. À le voir, il avait un aspect extraordinaire. Cet aspect, il y avait, en le voyant, plein de fruits. Mais quand Jésus veut prendre un fruit, il n'y a rien à l'intérieur. Tu peux sourire ce soir. Tout le monde peut te dire, mais tu as plein de feuilles, tu es joyeux, tu es dans la joie, tu es dans l'abondance. Mais à l'intérieur de toi,
il n'y a pas de joie, c'est pas vrai, et pas de sourire. Laisse Jésus, la main de Jésus, pénétrer et toucher ton cœur. Et là, Jésus fait quelque chose d'extraordinaire avec ses disciples. Il n'y a pas de fruit. Et il dit, arbre ou figuier, dessèche-toi. Et ce figuier se dessèche de suite. Et les disciples sont dans l'admiration, l'étonnement. Jésus n'a pas prié encore. Il a juste parlé à l'arbre. Dessèche-toi de suite. Et cet arbre de suite devient sec. Et les disciples ne comprennent pas encore. Et là, juste le passage juste en bas, il dit, écoutez, si vous avez de la foi comme un grain de sélevé, vous allez dire à cette montagne, ôte-toi, jette-toi dans la mer. Écoutez, je le recommence pour que ça reste dans nos cerveaux, que ça coule dans notre cœur, que ça reste gravé. Jésus a dit, vous allez dire, je le recommence, vous allez dire à cette montagne, aujourd'hui il y a plein de problèmes, il y a une montagne de problèmes, de difficultés, et on ne peut plus avancer, et nous on est là, Seigneur, tu peux descendre ôter la montagne, Jésus ne fera jamais. Jamais, 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 c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Jésus te le demande, c'est à toi de parler au problème. Ne dis pas à Dieu, le problème c'est pas Dieu, le problème c'est toi que tu n'as pas compris. Alors on n'appelle pas Dieu pour ôter la montagne, mais toi parle à la montagne pour que ça ôte. Parle à ton problème. Cette montagne qui est devant toi, il y a tant d'années qu'elle n'est pas partie, pas ôtée, tu sais pourquoi? Parce que tu demandes mal. Et là, c'est le cœur de quoi je voulais vous parler. S'il faut faire quoi? C'est à toi de parler à ton problème. Le problème n'est pas Dieu. Dieu m'écoute pas. Non, non, c'est que tu demandes mal. C'est Jésus qui a dit, vous allez dire à cette montagne. Alors, on va parler à ton problème tout à l'heure. Et j'aimerais finir, conclure avec ça. Chrétien, chrétienne, ami, la Bible dit qu'on est des rois, on est des princes. Il y a un prince, je n'ai jamais vu faire quelque chose, faire lui-même quelque chose. Un prince, il ne fait pas. Un prince, il ordonne. Un prince, il ne fait pas. Un prince, il dit. Alors comme toi, tu es un prince, comme Jésus habite en toi, tu vas ordonner, ne fais pas. Tu vas dire à ton problème de sauter. J'aimerais vous dire ces paroles pour terminer. De fermer juste tes yeux. Et de parler à ton problème. Voilà ce que Dieu a fait dans une vie. Ce Dieu extraordinaire. Ce Dieu qui n'a pas changé. Ce que Dieu a fait il y a 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui. Et écoutez attentivement. Tu as dit,